saviez-vous, il existe une place Michel Bonny au Plessis-Trévise. Mais en connaissez-vous la raison? Cette place porte ce nom en hommage à Michel Bonny, qui était tout d'abord un boulanger et pâtissier. Son commerce, situé à Paris, obtiendra d'ailleurs un franc succès. C'est en 1912 qu'il achète une des plus belles villas de la fin du 19e siècle, dans l'avenue Marbeau. Il s'investit également dans la vie communale en tant que conseiller municipal aux côtés de Georges Fourreau durant deux mandats, de 1925 à 1933. Il va également faire preuve de beaucoup de générosité auprès de la commune en offrant l'équipement et l'habillement à la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi en donnant du terrain devant sa propriété afin d'aménager le rond-point des Marronniers, aujourd'hui connu comme le rond-point Michel Bonny. En 1933, il décède dans notre ville à l'âge de 63 ans. Sa propriété, à l'abandon durant de nombreuses années, va servir à de nombreux tournages cinématographiques avant de disparaître. Il reste néanmoins une partie du parc encore visible entre les avenues de Chennevières et Marbeau. La place Michel Bonny, anciennement appelée Place des Marronniers, sera très active durant la première moitié du XXe siècle. On y trouvera une boucherie, un café buvette, une épicerie ou encore un coiffeur perruquier. Salut !